Madame, monsieur, bonsoir. Chers concitoyens, nous ne sommes plus seuls, nous en avons maintenant la preuve. Ce que l'humanité tout entière est en train de vivre est tout simplement ahurissant. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. La nation saura se défendre. Nous y veillerons, soyez-en sûrs. Vive la République et vive la France. C'est avec ces mots donc que le président de la République a terminé le message qu'il vient d'adresser aux Français. Un message qui se veut rassurant mais qui n'apporte aucune explication rationnelle à ce que certains considèrent déjà comme une tragédie majeure. Comme vous le savez, très tôt ce matin, vers 4h30, d'après les premiers témoins, un objet d'origine inconnue est apparu en plein centre de Nantes, à quelques dizaines de mètres seulement de la cathédrale. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Vous le voyez, une foule compacte, étonnamment calme, s'est rapidement amassée autour d'elle avant même que les forces de sécurité puissent intervenir. Pour l'instant, aucun signe d'hostilité n'est à signaler. Certains badauds n'ont pas hésité à venir toucher l'engin à l'affût du moindre son, du moindre indice. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'une quelconque forme de vie se trouve à l'intérieur. Mais il faut rester prudent. Des experts tentent dès à présent de comprendre ce qui se passe. Ça porte une marque très humaine, cette capsule. Alors on voit des choses très brûlées, la traversée de l'atmosphère probablement pour rentrer sur Terre. Bouclier thermique qui me paraît un peu limite, mais manifestement ça a résisté. J'ai l'impression qu'on a une écoutille potentiellement vers le haut, et puis cet impact au sol. On pourrait croire que la capsule est rentrée dans le sol, mais pas du tout. Elle n'est pas rentrée dans le sol, pas du tout. Elle s'est matérialisée, là. Je ne suis pas sûre que la trajectoire de réentrée ait été bien pilotée. Non, pas du tout. C'est simplement qu'elle s'est rematérialisée par, quelque part, on appelle ça la télétransportation aujourd'hui, aussi en science, en physique notamment quantique. Eh bien, effectivement, elle s'est matérialisée à cet endroit. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Est sortie de cette capsule une jeune fille, grande fille, qui en est sortie et puis a regardé alentour avec des yeux de biche comme il n'est pas permis d'en avoir. Superbes yeux. L'ouverture de l'écoutille, pour moi par exemple, amarrée à la Station Spatiale Internationale, passant de ma capsule à ce monde station en ouvrant l'écoutille, c'était un moment magique, un moment de découverte la première fois. On pénètre dans un nouveau monde et on y a un nouveau regard sur ceux que vous rencontrez. C'est un monde différent dans lequel il faut s'adapter à la nouvelle situation. Moi, j'ai
tout de suite été frappée par la capacité d'adaptation qu'on peut avoir quand on arrive, même si tout est à reconstruire, après l'avoir imaginé. Elle vient de loin. Elle vient pas du système solaire. Ça, c'est une certitude. Alors, je dois dire d'abord, pour être honnête, que j'ai été très séduit par cette fille. Très séduit parce qu'elle était jolie, élégante, très consciente de sa féminité, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, ma foi. Alors, que vous dire sur le plan scientifique d'une affaire de ce genre, quand même, c'est un peu impressionnant, c'est un petit peu inquiétant. Il faut rester froid dans l'analyse du phénomène et dans l'analyse du personnage. Il y a sûrement des îles dans l'espace comme il y a des îles sur l'océan. Et pourquoi pas donc un isolat dans lequel de petits humains auraient fabriqué ces grands humains, ces grands enfants, dans des conditions d'isolement qui permettent un développement idéal. On voit que cette petite géante, bien qu'elle ait certainement bénéficié d'une vie beaucoup plus longue que celle des humains ordinaires, on voit que sur ce monde-là, l'évolution a probablement prédit une vie qui est de l'ordre de plusieurs centaines d'années, peut-être. Oui, il est vraisemblable qu'elle vit beaucoup plus longtemps. Je pense que celle-ci plusieurs millénaires. Doit avoir, et même plusieurs millénaires, celle-ci doit avoir entre 600 et 700 ans. Oui. On dirait sur Terre, elle aurait 6 ou 7 ans, mais c'est 100 fois plus. C'est 100 fois plus là-bas, hein. 100 fois plus. Oui. Donc, je pense qu'elle a un petit peu moins de 1000 ans. Un petit peu moins de 1000 ans, et probablement, effectivement, entre 600 et 700 ans. Écoutez, j'en reste stupéfait. Voir un animal pareil, découvrir une espèce pareille à notre époque, alors qu'on nous dit toujours qu'il n'y a plus que de petits animaux à découvrir, découvrir un animal gigantesque, en plus, dans une ville de France, c'est tout à fait stupéfiant. Et pour moi, c'est fabuleux, ça sera sans doute le point d'orgue de ma carrière. Alors il faut vous dire aussi que je suis zoologiste et plus particulièrement cryptozoologiste, c'est-à-dire que j'étudie le cas des animaux
dont on pense qu'ils existent, mais qui ne sont pas encore officiellement découverts. Les plus célèbres étant le Yeti, le monstre du Loch Ness, le serpent de mer, etc. Et il y a quelques éléphants. Il est intelligent, oui. Il n'y a aucun doute. Et bien alors, il y a quelque chose de particulier, tout de même, dans sa biologie. Mm-hmm. On peut constater, vous pouvez le remarquer, qu'il y a des éléments qui paraissent évoquer quelque chose comme un mécanisme. Je pense très franchement que la civilisation, dont, en tout cas la planète qui porte la civilisation dont il est issu, a maîtrisé le rapprochement entre, d'un côté, la vie organique et de l'autre, la vie artificielle, en particulier ce qu'on pourrait appeler effectivement le monde des cyborgs, c'est ce qui aujourd'hui le caractérise. C'est à mon avis un cyborg. C'est un cyborg, il n'y a aucun doute. Bon, alors, oui, bon, pour l'instant, à part cet éléphant, il n'y a pas beaucoup de cas avérés. Hein. Quand on a vu ces images, parce qu'on a été sur le terrain, on a regardé, on a été effectivement au pied à la fois de l'engin, puis on a vu la créature, la petite fille, enfin la petite fille, la petite géante, et puis on a vu cet immense cyborg, ce cyber-éléphant, on était quand même très étonnés. Et les scientifiques nous ont dit, souvent, hein, je dirais à 70-80%, nous ont dit, mais c'est pas possible, c'est une mise en scène. On dit non, parce que mais on leur a dit, effectivement, c'est pas du tout une mise en scène, ça existe. Et ils nous ont répondu à ce moment-là, mais comment est-ce que c'est possible? D'où est-ce qu'ils viennent? Ils avaient pensé à tout, les scientifiques, sauf qu'ils n'avaient pas pensé à l'hyperespace. Voilà, et c'est là le secret. Que cette créature maîtrise l'éléphant aussi bien que la petite géante, maîtrise le transfert hyperspatial. Si on avait la preuve du voyage dans le temps et du voyage dans l'espace-temps, ça expliquerait énormément de choses. On a affaire à un être extraterrestre, un être qui est venu d'ailleurs, un alien, absolument, mais qui a, en quelque sorte, par un phénomène de mimétisme assez curieux, qui a quand même pris un aspect d'éléphant, si vous voulez. Bon. Mais il trompe un peu son monde, puisqu'il a quand même, s'il a beaucoup de ressemblances avec nos éléphants terrestres, il a quand même beaucoup de différences. D'abord, la taille beaucoup plus grande, sa structure relevant plutôt de l'informatique, son origine extraterrestre, spatio-temporelle, enfin. Il fallait s'y attendre, les premières dégradations matérielles suite au passage des géants viennent tout juste d'apparaître. À Amiens, c'est la consternation. Des voitures stationnées en toute légalité ont été cousues dans le sol. Une vision d'horreur pour les malheureux propriétaires qui n'ont hélas rien pu faire pour éviter le carnage. Pare-brise pulvérisé, capot et toit défoncés sous la pression du fil à coudre. Les véhicules sont en totalité hors d'usage. D'après les enquêteurs, la petite géante se serait tout simplement amusée avec la bobine de fil et l'aiguille que son ami l'éléphant lui avait offert à l'occasion de leur première rencontre. Même si les géants ne font preuve d'aucune agressivité envers la population, cet incident réactive le doute qui plane sur les intentions réelles de ces êtres venus d'ailleurs. Les Amiénois vivent maintenant dans l'angoisse, car le pire reste sans doute à venir. Devant un personnage aussi séduisant soit-il, je me pose la question de ce qu'est son squelette. C'est difficile de dire à cette jeune personne aussi complice qu'on puisse être ou avoir été avec cette jolie jeune dame. Montre-moi tes os, montre-moi tes dents. Mais j'aurais voulu voir ses os, parce que ses os serait une révélation de sa croissance aussi. A-t-elle eu une croissance normale? A-t-elle eu une croissance plus courte, une croissance plus longue? Et ça se voit par exemple dans la torsion de l'humérus.
cette os du bras, ou dans la torsion du tibia, cet os de la jambe. Plus c'est tordu, plus la croissance a été longue, moins ça l'est, plus la croissance a été rapide, par exemple. Et voir aussi comment est installée sa colonne vertébrale pour avoir à la fois cette station droite qu'elle maintient fort bien, là, un joli port, et en même temps cette articulation des mouvements qui est jolie mais un peu particulière. Or, je ne peux pas penser, je ne peux pas imaginer que cette petite dame, aussi jolie qu'elle est, ne puisse pas appartenir à un bout de l'humanité qui, quelque part, se promène sur une autre planète, où j'irai sûrement faire un petit tour un jour. Mega Loxodonta armoricanus. Pourquoi? Parce que Loxodonta, c'est le nom de genre de l'éléphant d'Afrique, qui semble le plus apparenté. Mega, parce qu'il est grand, très grand. Et armoricanus, parce que Nantes est en Bretagne, voilà. C'est l'éléphant géant armoricain. On sent qu'elle est en pleine période d'acquisition des connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait des expériences. Elle vient là pour découvrir. Exactement. Elle est effectivement à la recherche du secret de cette vie sur la planète bleue. Sa planète est très différente de la nôtre, quoique, finalement, comme elle est humanoïde, on peut penser que le théorème de la convergence des formes, le grand théorème de convergence des formes, qui est un théorème d'exobiologie, hein, de biologie de qui la vie ailleurs. Qui dit que toute espèce évoluée obéit à un certain nombre de critères qui ont pour effet d'aboutir à une forme de type humanoïde. Cet éléphant est accompagné de lutins. Alors les lutins,
En général, ce sont de petits êtres bien sympathiques, barbichus, vous voyez, malicieux. Ils portent différents noms. En Bretagne, puisque Nantes, qu'on ne veuille ou non, est la capitale de la Bretagne, on les appelle les corrigans ou les poules piquées. Ailleurs, il y a les lépreux jaunes en Irlande, les trolls de Scandinavie, les gnomes, etc. C'est ce qu'on appelle, nous, cryptozoologistes, le petit peuple. Et le petit peuple a sans doute existé. Enfin, il a au moins existé en Asie, où on a découvert l'homme de Flores, un pygmée humain découvert il y a quelques années, mais il est possible qu'il y en ait eu également en Europe. D'où toutes ces légendes lutins et légendes qui deviennent, une fois de plus, la réalité. Si l'on commence à en savoir un peu plus sur ces êtres géants venus de l'espace, le doute plane toujours sur l'identité de celui qui fascine déjà les médias du monde entier, celui que l'on appelle avec respect le sultan. Majesté, sultan des Indes, à voyager dans le temps, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de ville de Nantes, à la mairie de Nantes, à Nantes tout simplement. L'homme étrangement discret refuse pour l'instant de répondre à nos questions, mais un journaliste inconnu de nos services a réussi, semble-t-il, à infiltrer la cour du sultan et partage depuis plusieurs jours le quotidien des passagers de l'espace. Un coup de chapeau à ce journaliste anonyme qui a su, comme tant d'autres de par le monde, prendre tous les risques pour nous faire partager l'information. Entre les animaux et les enfants, il y a toujours eu de la complicité. Le cas extrême, c'est évidemment les enfants loups, les enfants adoptés et allaités par des loups, par des chiens ou par d'autres animaux. Avec des éléphants, à mon avis, jusqu'à présent, c'était jamais arrivé parce que l'éléphant est quand même le problème de la taille. Vous voyez, c'est peut-être pas facile pour un éléphant d'élever un enfant. Mais là, on a un exemple d'amitié triangulaire, je dirais, éléphant, géante et lutin. Et je vous dis, c'est un message d'amour, un message d'espoir. Surtout à une époque où on détruit tant le monde vivant. Les rapports entre l'homme et l'animal sont plus simples que l'on imagine. Et les rapports entre cette petite fille et son éléphant sont si agréables à voir. Et d'une certaine manière si intimes que j'en étais jaloux. Quelques heures du départ, mais hein, je crois qu'on a intégré le fait qu'on allait partir.
Et là, sans doute, cette petite géante sait qu'elle doit rentrer quelque part, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Elle s'est donc préparée. Au moment de se séparer, il y a des échanges avec ceux qui restent et ceux qui partent. Parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ces quelques jours de vie en commun. Et ça, on l'a tous vécu quand un équipage se sépare. On transmet un peu de soi, puis on transmet sûrement une forme d'énergie dont chacun a besoin. Alors c'est sans doute une façon de rendre les choses plus faciles, tout en étant aussi une façon d'emporter chacun un peu de l'autre. Je suis très triste aussi de l'avoir vu partir et puis s'éclipser de cette manière aussi bizarre, aussi étrange, qui nous laisse un peu pantois quand même. Petite astuce, elle rentre dans sa capsule et on retrouve la capsule et on ne retrouve pas la bonne femme. Ce ne sont pas des manières. Ça ne me surprend pas trop en tant que scientifique. Il y a des tas de choses qu'on ignore, pour lesquelles on n'a pas les réponses immédiates. La réponse ou le secret, il est dans l'éléphant. L'éléphant, il est intervenu. Ce n'est pas du carburant qu'il a mis, ou vous pouvez penser que c'était du carburant ou de l'azote liquide ou que sais-je. Pas du tout. Il a créé simplement une matrice, ce qu'on appelle une matrice de protection, pour isoler l'organisme qui va être téléporté du reste. De l'espace-temps et en particulier du reste de la capsule. Parce qu'on voit très nettement cette brume surgir de la trompe de l'éléphant. Oui. Mais cette brume, en fait, c'est ce qu'on appelle la brume des nombres. Oui, c'est une essence mathématique. Hein. C'est un espèce de nuage mathématique. C'est une information, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une information qui permet à chaque point de l'espace-temps d'être localisable dans l'espace et dans le temps. Voilà, exactement. Alors, donc cette brume de nombres, cette espèce de nuage mathématique, cette essence de coordonnées géométrico-mathématiques, eh bien, c'est l'éléphant qui l'a insufflé au bout de sa trompe, comme ça, pour protéger la petite fille. Le rêve compte beaucoup en cryptozoologie, puisque les cryptozoologistes, même s'ils s'en défendent un peu, rêvent de découvrir les animaux dont ils recherchent. Et d'ailleurs, Anatole France a une très belle phrase, il a dit « Savoir n'est rien, imaginer est tout ». Pour prolonger le rêve et prolonger aussi la rencontre, j'aurais bien voulu partir avec cette jolie petite dame. Et se projeter un petit peu dans l'avenir, comment on se déplacera dans l'avenir? Est-ce que vraiment on va utiliser des moyens de propulsion classiques pour aller d'un point à un autre? On en est encore là avec les voitures, les avions, les trains, on commence à aller plus vite avec le vol suborbital, et puis un jour, il n'y aura pas de moyens de transport, et on ira d'un point à l'autre avec d'autres techniques, alors peut-être que là, elle nous ouvre un peu le chemin. C'est une vie bienveillante, intelligente mais bienveillante. On voit à quel point ils arrivent, ils se déplacent, ils posent sur Terre, sur notre planète, un regard qui est humide d'émotions,
ils vous regardent avec bienveillance, ils vous regardent avec compréhension et ils vous disent « Nous vous aimons ». Je vous dis qu'elle va revenir. De toute façon, j'ai laissé mon mail, bien sûr.